Bonjour les amis, Facebook c'est fini? C'est ce que Franck Roca va vous répondre. C'est lui qui va se charger de vous répondre de cette question parce que tout le monde se pose la question que certainement Facebook est en train de se casser la gueule. Donc ça c'est l'affiche de plusieurs contenus que je vais vous proposer sur ce PDF. Et on va commencer par le principal. Ça concerne un sujet sur Facebook. Est-ce qu'il est fini ou pas? Page suivante, ça c'est la couverture de la question du sujet principal. C'est placé dans les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est Facebook. Le personnage principal qui va répondre à cette question, c'est Franck Roca. Et ici, vous pouvez cliquer n'importe où pour visionner les grands contenus dont va vous parler Franck Roca. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, mais plus. Je vais vous le montrer. Alors, il faut cliquer. Dans YouTube, nous allons... Grâce à Facebook, encore aujourd'hui, oui, c'est réel et ça marche. Tes pages de vente et tes messages publicitaires. Et reste bien avec moi, je crois. Là, il va vous parler de beaucoup de choses. Il faut que vous écoutiez la vidéo. Elle n'est pas très longue. C'est seulement 7 minutes, 1 minute 12. Mais il faut aller plus bas. Regardez. Là, il faut aller là, ici. Cliquez. Et vous allez, bien sûr, savoir, il faut lire tout ça. Savoir de quoi il s'agit. Et là, il vous présente, il vous offre un guide sur le copywriting, ici. Il faut cliquer ici pour le télécharger, c'est gratuit. Et ça, c'est ton deuxième cadeau, il vous parle à tous, c'est votre deuxième cadeau. Et il va vous montrer sa masterclass, son webinaire qu'il a fait pour justement illustrer tout ce qui se dit ici. Donc, c'est là-dedans que vous allez trouver les réponses concernant Facebook, est-ce qu'il est fini ou pas. Bien entendu, vous pouvez aller chercher plus en avant, là, après, pour découvrir d'autres choses, il faut lire tout ça, parce que là, il y a énormément de liens qui vous permettent de vraiment d'aller très loin, ok? Voilà. Donc, ça, il faut absolument le voir. Bon, voilà, nous sommes retournés à notre... une page de garde de ce que je vous offre ici. Et puis, voilà, ce qui suit, c'est que nous sommes toujours dans les réseaux sociaux concernant Facebook. Parce que les réseaux sociaux, il y aura YouTube, il y aura TikTok, il y aura beaucoup de choses. Et bien entendu, si c'est des extraits d'autres vidéos, c'est hashtag réseaux sociaux. Ok? On a commencé au début par hashtag partage, ça c'est la grande couverture. Et puis il y a hashtag Facebook, on est toujours dans hashtag Facebook. Et là, chaque groupe de lignes représente une formation. Partout. Et ça s'étale, bien entendu, sur plusieurs pages. Il y a une page. Il doit y avoir environ 70 formations qui sont là. Si vous voulez, bien sûr, vous allez regarder la une qui parle de Franck Roca. Mais bon, si vous avez besoin, bien sûr, d'aller chercher autre chose sur Facebook, c'est là-dedans. Donc, vous avez une page, une deuxième page, et une troisième page. Voilà. Une troisième page, j'ai trois pages. Et par exemple, bon, c'est comment booster le taux d'engagement de son profil Facebook. Growth Hacking Challenge 5. Je dis n'importe quoi. Comment contourner l'algorithme Facebook et augmenter son reach. Comment créer et installer le pixel Facebook et sur son site web. Je remonte. Comment créer un groupe de discussion sur Facebook? Comment créer un groupe Facebook? Comment créer un groupe Facebook? C'est différent, ils sont différents. C'est tout ça, c'est des vidéos et ce sont des différents formateurs qui sont là. Comment gérer un groupe sur Facebook? Cette astuce
gagner de l'argent avec Facebook en 2001, argent PayPal facile. Je remonte encore. Et bien entendu, comment trouver des clients VTC sur Facebook, des formations Facebook, ADS, créer une publicité réussie, créer un groupe Facebook, comment ajouter un admin sur un groupe Facebook. Voilà, il y a autant de trucs ici. Là, ça, c'est la première partie concernant le sujet principal que j'annonce. Parce que chaque jour, j'annonce un sujet, un thème différent de la veille. Et ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais je vais garder les thèmes que j'ai traités avant. Hier, j'ai publié la routine matinale de Tony Robbins. Et bien sûr, c'est dans la catégorie mindset et développement personnel. Et c'est fait par ce sujet-là, c'est fait par Nicolas Laruelle. Il faut le voir. Il faut seulement cliquer là, cliquer ici pour regarder la vidéo. Vous allez cliquer, vous allez rentrer dans chez Nicolas Laruelle. Et là-dedans, vous allez découvrir aussi la vidéo et puis le contenu de la description qui va vous dire lui aussi autre chose. Je continue encore. Vous avez pour ça encore des vidéos extraites d'autres vidéos, des extraits d'autres vidéos sur le mindset et le développement personnel. Il y a encore beaucoup de vidéos si vous voulez les voir, parce que mindset, puissance de la pensée positive, etc. Et je continue. Il y a une page, il y a une deuxième page, il y a un tiers de troisième page. Puis j'ai gardé le sujet de l'avant-hier. Et c'est vraiment quelque chose de colossal ce que je suis en train de vous donner là, parce que ça va encore continuer. Et là, c'était la rubrique formation sur WordPress, guide WordPress 2020, comment bien utiliser WordPress. Et là, il y a, c'est le sommaire. Et puis, il y a, vous cliquez ici, vous allez découvrir tout ce que on va raconter sur le guide WordPress 2020. Et après, bien entendu, comme les autres, il y a d'autres contenus. C'est des extraits d'autres vidéos aussi. Il y a autant de vidéos là. Ça doit certainement dépasser les 200 contenus. Voilà. Et puis, bien entendu, ça c'est la fin. À la fin, je réserve un truc qui me concerne moi, personnellement. Voilà, c'est moi. Et c'est le mot de l'éditeur, c'est moi l'éditeur, et qui va vous parler ici de la philosophie de ce que je suis en train de faire ici. Et bon, là, vous cliquez là-dessus et vous allez voir ce que je sais faire, c'est qui Saïd qui fait tout ça. Ok, donc vous avez vu des précisions quand même à faire. Bon, supposons que vous tombez sur ça, sur la totale. La totale c'est partage, c'est la marque. Et puis les autres, c'est-à-dire ce qui va suivre, c'est bien entendu ces réseaux sociaux, ou bien Facebook, ou bien YouTube, ou bien... C'est des rubriques, ça, c'est les réseaux sociaux, il y a l'affiliation, il y a le dropshipping, il y a les outils, il y a les logiciels, il y a la marketplace, il y a... Et puis ça change. Donc, sous la houlette de hashtag, la partage que je vous ai montré, vous aurez des rubriques qui sont des sous-niches, qui sont là, c'est-à-dire ici, réseaux sociaux, c'est Facebook, ou bien YouTube, ou bien TikTok, ou bien Instagram, etc., etc. Ok? Bon, supposons que ça ne vous intéresse pas les autres, que vous êtes rien que pour ce qui concerne Facebook.
Eh bien, si vous ne voulez pas recevoir la totalité, vous me dites que vous m'envoyez, bien sûr, votre demande, vous me laissez votre email, comme ça, je vous envoie directement rien que ça. C'est-à-dire que vous allez découvrir ça, hashtag Facebook, plus cette page, plus cette page, et plus cette page. C'est la dernière, voilà, c'est la dernière. Donc, vous allez recevoir 3 pages plus la couverture. Vous avez compris? Donc, là, les choses chez moi sont en train de s'organiser de mieux en mieux et vous allez avoir énormément, énormément de contenu de ce qui vous plaît. Bien entendu, chaque jour, je vais attaquer un problème. Demain, peut-être, je vais me mettre sur les outils, parce que c'est très important, ou bien sur le e-commerce, ou bien sur les logiciels, ou bien sur le matériel, ou bien sur... Voilà. Donc, chaque fois, et puis, je reviendrai, par exemple, après, je reviendrai, par exemple, sur Facebook. Ben, il faut imaginer que vous n'aurez pas seulement 3 pages, vous aurez beaucoup plus, vous aurez peut-être 6 pages, ou je vais ajouter encore. C'est-à-dire que je suis en train de faire un annuaire global qui s'appelle hashtag partage et puis je fais des sous annuaires qui sont par exemple réseaux sociaux Facebook, réseaux sociaux machin, réseaux sociaux chouette, etc. Donc si vous voulez recevoir rien qu'un seul truc, vous allez le recevoir en me donnant bien sûr votre, je ne vais pas envoyer chaque fois la totalité à tout le monde parce qu'il faut que je compartimente. Moi, les gens qui vont me demander les choses qui les intéressent, c'est-à-dire que s'il y a une centaine de personnes qui ne s'intéressent qu'à Facebook, je vais les grouper tout seul. Comme ça, si on me demande de leur envoyer des PDF Facebook, je leur envoie rien qu'à eux. Les autres, c'est pas la peine que je leur envoie ça parce que ça ne les intéresse pas, vous avez compris. Ok? Donc, et puis, une fois encore que je reviens encore sur Facebook, je vais rajouter des pages au lieu de rester seulement sur 1, 2, 3, 4. Et je vais rajouter des pages comme ça avec beaucoup plus de contenu. Et, bien entendu, une autre couverture, c'est-à-dire, au lieu de parler de Franck Roca, je vais revenir avec un autre sujet principal. Vous avez compris? Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour des contenus, et maintenant, je vais revenir à ma page principale, mon affiche. Mon affiche, c'est partage. Alors, partage, voilà, pour vous dire tout, c'est... quoi? C'est hashtag partage. Hashtag partage. Là, il y a une faute. Hein. Normalement, ça ne doit pas exister, ça. C'est le guide. C'est le guide des formations offertes par les pros du web. Partage plusieurs. Hashtag partage. C'est plusieurs articles et vidéos par jour pour réussir dans votre business. Donc, je vous en prie, vous vous abonnez parce que là, je suis en train de me décarcasser, mais pas possible, pour vous faire plaisir, et pour être utile quand même pour vous, pour que ça, en fait, tout ce que je suis en train de faire serve à quelque chose. Et puis, les PDF, tous les PDF que je vous donne, c'est des PDF interactifs, c'est-à-dire que vous cliquez pour vous passer, ils sont gratuits. Ok? Voilà. Ben, je pense que c'est tout pour le moment. Alors, likez, etc. Voilà, merci et à demain.